Monsieur, ma prochaine cliente. C'est vous, je vous en prie. Votre main. Permettez. Laissez-moi regarder. Je vois une rupture. Je vois la mort. Du sang. Du sang. Votre femme! J'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça! Faut entrer les suivants, s'il te plaît! Bon, vous êtes venu pourquoi? Bah alors? Bah alors quoi? Bah, on prend l'assurance ou pas? Quelle assurance? L'assurance pour la voiture. On n'a même pas un radis pour s'acheter un McDo et tu veux t'acheter une voiture. Mademoiselle veut s'acheter une voiture, ça y est, on est parti dans un grand délire là. Bah, on demande un crédit alors. Oh non, non, arrête. T'es même pas fichu de penser à acheter du démêlant. Mais c'est quoi le rapport, ma chérie? Écoute, il n'y a entre aucun rapport. Bien sûr, tu ne le vois jamais. T'as toujours été négatif. Tout le temps, tout le temps. Tout oui, ça t'arrête pas de me le dire, je commence à en avoir assez. Non, mais c'est vrai. D'accord. Tout le temps négatif. Tout le temps. Tu lui as dit, de toute manière, pas de voiture. On prend l'assurance et après la voiture. Oui, c'est ça, oui. Sauf que là, on pourrait dire, on s'encule ou on prend le train. J'ai pas envie de prendre le train, moi. Au fait, elle est grosse? Elle est grosse? Qu'est-ce que vous voulez? La voiture. La voiture. Est-ce qu'elle est grosse? Bon, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, une assurance. Non. Pour un déplacement. Une assurance. Alors, je vais prendre votre nom et prénom. Oui, Nathalie Degrasse. Nathalie Degrasse. Avec un C, comme un doux câlin. Nath? Nathalie? Eh oui. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai changé de vie. Je voyage maintenant. Ouais. Ça se passe bien? J'ai plaqué la boîte. Voilà. Je fais des petits boulots à droite à gauche. Comment tu vis? De ça. Je fais un ménage par-ci, je vais donner un coup de main sur un chantier. Et tu t'en sors? Financièrement? Oh, écoute. Toi, tu parles toujours de fric quand on te parle de vivre. T'as pas changé, hein? Oui. Ah bon, je t'aime bien quand même. Ça, c'est pas ce que t'aurais dit avant, ça. Eh oui, je sais. Mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Oh, c'est bon, pardon. Véronique! Olivier! T'as qu'à courir plus vite! On va jouer à quoi? Au jeu de mon père! Mais on n'a pas le droit!
C'est pas grave, il est pas là. Olivier ! Véronique ! Olivier ! Ah non, elle s'appelle Diane. Je m'appelle Diane. C'est ma fille. Je suis sa fille. Diane, dis bonjour à Olivier. Bonjour Olivier. Bon maman, tu me passes un ticket de métro? Je vais t'attendre au parc. Tiens ma chérie. Merci. Au revoir Olivier. Elle est belle, hein? Pardon, excuse-moi. Une vieille histoire à souvenir, c'est... Là, c'est rien. Toi, en tout cas, t'as pas changé, hein? Bon, ton nom de jeune fille, s'il te plaît. Et d'ailleurs, tu devrais, Olivier. Je sais pas si tu t'es regardé, mais là, t'es livide. Va dehors, va. Reste pas dans ce bureau. Il y a du monde, il fait beau. C'est ça, la vie. C'est pas ton bureau. Quoi ? La vie, oui. Quoi ? Je suis manager. Je travaille, je rentre de l'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de dépenser d'argent. Je suis pas un mendiant. Non. Effectivement, t'as pas changé. Voilà. Bon. Allez, on les remplit ces papiers. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais en sortant d'ici? Ah, tu travailles, hein? Mais tu la travailles bien, ta pute, hein? C'est fini, fini! Tu entends? Je me barre chez ma mère, tout est prévu! Et toi, là, hein? Toi qui sers à rien, tu vas aller te faire mettre ce que je pense, bien profond où je le pense! Et ne m'appelle plus chérie, connard! Je t'emmerde! Monsieur souhaite un verre d'aspirine. Tiens, Florent, qu'est-ce que tu fous? T'es en congé sabbatique? Je vais le buter, ce petit con. Oh, calme-toi. Toi, t'as pété les plombs, oui, quoi. Oh non, c'est pas lui, c'est toi, connard. Je vais le buter rien que pour te faire chier. Combien de fois tu m'as emmerdé, traité comme un larbin, hein? Ça te fait pousiller les autres, hein? Ça te fait bander les prendre de haut, hein? Eh ben regarde bien, parce que je vais le buter. Tu sais, et je vais le buter. Et là, tu vas pouvoir vraiment jouir, mon salopard! Tu veux du fric, c'est ça? Tu sens quoi? Non! Voilà! Olivier, qui veut me donner du fric? Tiens! Monsieur Grosson! Monsieur Grosson, vous êtes encore sauvé! Faut arrêter de prendre le pistolet du petit-fils de Madame Le Pic! Mais allez. Non, Olivier, non, je veux pas! Je veux encore jouer un peu! Là, on jouera plus tard! Allez. Et je pourrais jouer encore un peu avant le dodo. Mais oui, bien sûr. Donc, nous avons affaire à une agression physique avec prise d'otage dans un bureau d'assurance.
Soulevez, je vous prie. Oui. Vous souffrez ? Oui, docteur, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Le sujet a le teint blafard, se plaint de maux de ventre. Nous allons procéder à l'auscultation. Allongez-vous. Oui, docteur. Le patient ne souffre pas de lésions externes. Des lésions internes sont à prévoir suite au choc. Nous allons pratiquer l'autopsie. Allez-y doucement, hein, quand même. Hein. C'est le bureau de mon patron. Hein. Ouais, on n'est pas à la bouscaille ici. Voilà. Celui-ci est bientôt fini. Bonjour Olivier. Allez Olivier, sors. Ouais, faut que tu sortes. Votre femme, elle vous quitte. Ah, tu la travailles bien, ta pute. T'as pas vu ma femme? Je sais pas où elle est. Bonjour monsieur. Votre nouvelle cliente est arrivée, elle s'appelle Madame Le Picard. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Oui, vous vous en foutez, hein. De toute façon c'est une cliente comme les autres. Du moment t'as un boule du fric, ça va passer. Hein. Et sinon? Elle est grosse, sa voiture? C'est pas la vie, le fric, Olivier. On s'est déjà posé la question avec ma femme. La vie, elle est dehors, Olivier. Elle est pas dans ton bureau. Du sang? Du sang? Je comprends pas pourquoi elle est partie. Il ne m'appelle plus chérie! Connard, hein! Celui-ci est bientôt fini. Je me ferai une joie de le retrouver sur ma table. Bonjour, Olivier! Il est où mon mari? Tu l'as vu? Il est où mon mari? Je t'aime bien quand même. Et tout ce sens est terrible. Celui-ci est bientôt fini. Je vois du sang. Votre femme. Il ne m'appelle plus chérie. Connard. Ça te la bousille et les autres, hein. Ça te fait bander, hein. Tu te reconnais? Je suis toi, abruti. Toi, enfant. Alors c'est ça que t'es devenu, un petit chef ridicule. À quoi tu penses? À quoi tu rêves? Du fric. Encore du fric. Du pouvoir, de la position sociale. Monsieur se croit important. Monsieur se croit respecté. Mais monsieur n'est qu'une baudruche, oui. Tu sais, un petit ballon débile qui gigote dans le vent. Tu vois pas que ta femme te quitte, que ton ex a pitié de toi, que tes amis te haïssent. Quand est-ce que tu vas réagir? Bouge tes fesses! C'est pas ma faute. Pas ta faute, c'est jamais ta faute. Regarde-toi. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as fait de mes rêves? Je voulais faire de la musique, je voulais jouer du saxo avec les grands du jazz. J'étais un petit génie, le Mozart du saxo qu'on m'appelait. T'en as fait quoi de ça, hein? Qu'est-ce que t'as fait de moi? Qu'est-ce que t'as fait de toi? Tu m'as prostituée, voilà ce que t'as fait. Pour du fric, pour une grosse bagnole, ridicule. Pour une maison, t'as tout cassé. C'est comme ça que maman t'a élevé?
Comment, fils de pute ? Tu parles pas de maman comme ça ! T'es qui ? T'es quoi ? Hein ? T'es un souvenir ? T'es rien ! Un souvenir oublié ! Voilà ce que tu es ! T'étais où ? Hein ? Quand mon ennemi se faisait tabasser ? Hein ? Pourquoi t'as laissé papa partir ? Pourquoi t'as laissé papa partir ? Pourquoi ? Pourquoi ? Hein, arrête de rire ! Arrête ! Oui, j'aime les grands espagnols ! Oui, j'aime les frites ! J'aime les caisses ! J'aime tout ça ! La musique, c'est de la merde ! L'ordre grognage ! Pète au cul, merde, qu'elle se casse, tout aussi, la musique, le saxo, tout, je n'ai qu'à vous, putain. Mm-hmm.